écouterons d'abord M. Jean-Jacques Peters, notre administrateur délégué de PO. Bien, merci M. Rochecott, parce que j'ai l'habitude de passer en dernier, où je dois redire ce que tout le monde a déjà dit. Les gens n'écoutent plus et n'attendent plus qu'une chose, c'est d'aller boire un verre. Donc, pour une fois, peut-être qu'ils vont écouter. Mesdames, Messieurs, chers collègues directeurs et anciens directeurs de Saint-Henri, chers anciens de Saint-Henri, chers amis de Saint-Henri, dans un mois, jour pour jour, il y aura 25 ans que l'Institut Saint-Henri inaugurait son hall de sport à la rue du Commerce. Depuis 25 ans, l'Institut Saint-Henri a reconstruit à Saint-Henri-Warneton, suite à un incendie, a construit une extension à Saint-Henri-Outhem, a construit un et récemment un deuxième bâtiment à Saint-Henri-Cotus, a procédé à divers travaux de rénovation et d'isolation en remplaçant des châssis dans ses différentes implantations. Mais revenons maintenant à ce qui nous concerne, le Castel Saint-Henri. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la direction de l'Institut Saint-Henri, en septembre 2000, j'ai directement été mis dans le bain. En effet, lors du congé de Toussaint, le 4 novembre 2000, l'ancien bâtiment des maternelles a été incendié. Très rapidement, après la visite d'experts et de contre-experts, le pouvoir organisateur a décidé de reconstruire le bâtiment que vous connaissez. Nous en avons profité pour l'agrandir et y adjoindre une salle de gym, une cuisine et un réfectoire. Les travaux ont été réalisés en un temps record et malgré l'année pluvieuse que nous avions connue à l'époque, nous inaugurions ce bâtiment un an après le début des travaux. Nous voici en 2015, donc 15 ans plus tard, et nous nous retrouvons une nouvelle fois pour inaugurer et bénir un tout nouveau bâtiment qui accueillera 8 classes primaires. De septembre 2000 à ce jour, le nombre d'élèves inscrits en maternelle est passé de 53 à 91, soit une augmentation de 71%. Tandis qu'en primaire, la population scolaire est passée en 15 ans de 53 à 143, une augmentation de 170%. Aucune école ne peut progresser de la sorte sans avoir à sa tête un directeur dynamique. Et j'en profite pour remercier M. Boden, ici présent, ancien directeur, et M. Ravershkott, presque ancien directeur. Ils ont été les moteurs de l'école du Castel et les moteurs de la nouvelle construction. L'effort budgétaire supporté par le PO est important, mais cela ne servirait à rien si, en plus des directions successives, nous n'avions pas une équipe d'enseignants et d'enseignantes dynamiques et dévouées qui travaillent à l'épanouissement de tous les enfants. Tous et toutes, tous et toutes n'ont de cesse que d'enrichir leurs pratiques pédagogiques existantes, gagnant ainsi en qualité et en efficacité. Tous accueillent chaque jour les enfants avec le même dynamisme, avec le même amour et avec le même sourire. Je les en remercie publiquement pour le travail efficace accompli au quotidien. C'est maintenant que je demande vos applaudissements. Nous avons mené à bien tous ces chantiers en gardant l'espace de jeu existant afin que les enfants puissent s'y défouler entre les cours. Nous avons ainsi préservé le cadre rural de ce site. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu plusieurs années et plus d'un mètre de hauteur de dossier. En effet, le premier dossier de construction a été introduit auprès de la communauté française en septembre 2009. Vous connaissez la vitesse à laquelle évoluent les dossiers administratifs. Après que ce dossier ait circulé dans les méandres de l'administration, les travaux de démolition et de reconstruction ont enfin débuté en janvier 2014, pour se terminer un an plus tard, à l'arraché,
en mars 2015. Notre école accueille une population locale. Nous avons également voulu travailler avec des entreprises locales qui emploient une main-d'œuvre locale. Vous verrez dans quelques instants, vous pourrez constater qu'il est inutile de chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Demain, nous accueillerons lors des portes ouvertes les élèves et leurs parents, mais aussi les nombreux futurs élèves et leurs parents, dans de nouvelles classes, encore plus spacieuses, mais aussi plus lumineuses et plus conviviales. En tant qu'administrateur délégué de l'Institut Saint-Henri et au nom du pouvoir organisateur, je suis très heureux et très fier de vous accueillir aujourd'hui. Celui qui n'avance pas recule, dit-on. Ce n'est pas le cas à l'Institut Saint-Henri. Il nous faut sans cesse innover dans la pédagogie, dans le matériel, dans les constructions. Pour réussir cela, il faut une équipe pédagogique soudée dans chaque implantation de l'Institut Saint-Henri, mais aussi une équipe de directeurs et de membres du pouvoir organisateur soudés. C'est cela la force de l'Institut Saint-Henri, et nous l'obtenons grâce à votre soutien et au soutien des parents. Et je terminerai en souhaitant la bienvenue dans cette équipe à Madame Corinne, prochaine directrice. Je suis persuadé qu'elle continuera à motiver son équipe pédagogique avec la même force et la même détermination que ses prédécesseurs. Voilà, ce lieu d'enseignement, nous devons le mettre sous la protection de notre Seigneur, pour que ce lieu soit toujours un lieu de paix, pour que les enseignants et le directeur, la directrice, puissent toujours former une équipe unie, une équipe soudée, pouvant faire leur travail avec amour. Parce que accueillir des petits-enfants, eh bien, il faut vraiment que ce soit une belle vocation. Et c'est une belle vocation de les accueillir et de leur donner l'enseignement nécessaire pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir. Eh bien, c'est pour cela que nous demandons au Seigneur la protection de ce lieu, que ce lieu soit toujours un lieu de paix. Teigne bénir toutes les personnes qui travailleront dans ces locaux. Teigne bénir aussi toutes les personnes qui vont pénétrer dans ce lieu. Que ce lieu soit toujours un lieu d'écoute, de dialogue et de paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enseignants, pour qu'ils puissent toujours être soudés les uns avec les autres et vraiment donner de tout leur cœur pour les enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.